Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir IBM Soul TV pour vous informer. À la une de l'actualité ce soir, dotation au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Sur le continent, Mozambique, au moins 90 morts dans le naufrage d'un ferry. Guerre Israël-Hamas, l'Iran menace de riposter après la frappe en Syrie. Voilà, mesdames et messieurs, c'était les titres. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, mes téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonce dans les titres, dans le cadre d'un partenariat novateur, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a reçu une dotation de 50 véhicules 4x4 de marque Hilux d'une entreprise engagée. Cette généreuse contribution vise à renforcer les capacités opérationnelles et la réactivité des services de sécurité et de protection civile à travers le pays. Regardez. Dans le cadre d'un partenariat novateur, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a reçu une donation de 50 véhicules 4x4 Hilux d'une entreprise engagée. Cette généreuse contribution vise à renforcer les capacités opérationnelles et la créativité des services de sécurité et de protection civile à travers le pays. La cérémonie de remise des clés imprégnée de gratitude et de détermination a souligné l'importance crucial de cette collaboration pour assurer la sécurité des citoyens et gérer efficacement les situations d'urgence. Les véhicules Hilux, réputés pour leur robustesse et leur fiabilité, seront déployés dans diverses régions du pays pour soutenir les opérations de sécurité et de secours. Ils joueront un rôle vital dans le transport de personnel, de matériel et de fournitures, ainsi que dans la réponse rapide aux catastrophes naturelles et aux crises sanitaires. Ce partenariat exemplaire entre le secteur public et privé démontre l'importance de la coopération pour promouvoir la sécurité et le bien-être des citoyens, tout en soulignant l'engagement des entreprises envers la société. La donation des véhicules à Hilux bénéficiera à l'ensemble du pays, renforçant ainsi la capacité des forces de sécurité et de protection civile à remplir leur mission essentielle de sauvegarde des vies et des biens. Cet acte est exemplaire de solidarité et d'action collective, illustre la voie vers un avenir plus sûr et plus résilient pour tous les citoyens grâce à la collaboration entre les secteurs publics et privés pour relever les défis nationaux. Reprise des travaux de rénovation des routes de Taouia dans la commune de Ratoma. Suivez. Dans le quartier animé de Taouia, situé dans la commune urbaine de Ratoma, les travaux de construction et de rénovation des routes ont repris le dimanche 7 avril 2024. Ce projet dirigé par le ministre chargé des infrastructures et travaux publics vise à faciliter la circulation routière dans cette zone densément peuplée de Conakry. Les travailleurs sur le terrain ont partagé les défis qu'ils rencontrent au quotidien, notamment la présence constante des usagers, principalement la population locale, sur les sites de travail. Cette présence rend non seulement leurs tâches plus difficiles, mais elle pose également des problèmes de sécurité. Bon, le moment, on n'a pas d'abord rencontré les difficultés pour le moment. Non, pas d'abord, quand on dit pour le moment, le travail est en train de se faire dans les bonnes conditions et dans les règles de l'art. Bon, vous savez, si, la situation de la Guinée, vraiment, c'est très, très complexe. Parce que la majeure partie des conducteurs n'ont pas fait les études d'école. C'est des chauffeurs qui ne sont pas. Chacun c'est du conducteur, mais il respecte les règles de la conduite. Ça, c'est un problème majeur pour la Guinée. Ce qu'on peut dire à la population, nous sommes satisfaits du bitumage de cette route. Très contents. Donc maintenant, nous allons reculer.
libérer la route, façon c'est arrangé, c'est le passage des autorités. Mais c'est ici que nous aussi, nous cherchons notre dépense. Mais on ne restera pas au milieu de la route. Nous allons reculer pour chercher notre dépense. Nos maris sont décédés. Nous élevons seuls nos enfants. Nous n'avons personne pour donner la dépense. Il faut sortir pour venir chercher la dépense au bord de la route. Donc c'est ça. La route sera bitumée. Ça se bitume très bien. Ça nous plaît. Nous sommes contents et satisfaits. Malgré ces défis, les citoyens ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement des travaux. Cependant, certains habitants ont souligné le défi supplémentaire auquel ils sont confrontés, les nécessités de déguerpir des lieux où ils ont l'habitude d'étaler leur marché. Ils lancent un appel au gouvernement pour les aider à trouver un lieu propice où ils pourront désormais exercer leurs activités commerciales. La fin de la prière de 20h a été marquée ce samedi nuit par une forte pluie accompagnée d'un vent violent qui s'est abattu sur la ville de Farana. Un vent violent qui a commencé à menacer des toits dont par endroits certains se sont envolés avant la grande pluie. Pendant près de 3 heures, il pleuvait abondamment dans cette ville de la Guinée. Regardez. De nombreux quartiers, dont Mosquée, Marché 2, Abattoir 2 et Tonkolonko 2, ont passé la nuit les pieds dans l'eau. Les denrées alimentaires qui étaient stockées dans les habitations ainsi que d'autres biens matériels ont été soit submergés ou emportés par les torrents d'eau. Interrogé, Damba Keita, une sinistrée, explique. Hier, il a commencé à pleuvoir à 20h et personne n'a pensé que ces pluies allaient avoir une telle ampleur ravageuse. À partir de 22h, les eaux ont pénétré les habitations jusqu'à 23h. Nous avons perdu tout. Nous demandons aux autorités à tous les niveaux de nous venir au secours en curant le Marigot Tonkolonko et faire des canaux d'évacuation d'eau. Chaque année, nous enregistrons des dégâts matériels importants, tout en renchérissant une autre sinistrée. Mariam Camara, dont la maison s'est effondrée, déclare. Nous avons tout perdu chez nous. Notre habitation s'est écroulée. Même nos aliments ont été emportés par l'eau. Nous avons passé la nuit chez les voisins. Nous demandons de l'aide auprès du gouvernement et des organisations humanitaires. Surtout, nous aider à curer le marigot Tonkolonko, qui fait des dégâts chaque année, parce que nous n'avons pas les gros moyens pour faire ce travail. Je vous l'annonce également dans les titres. Un ferry de fortune a coulé au large de la côte nord du Mozambique dimanche, tuant plus de 90 personnes, dont des enfants, ont rapporté les médias locaux. Regardez. Le bateau surchargé transportait 130 personnes et la plupart des victimes noyées étaient des enfants, selon TV Diaro Nampula, un média local en ligne. Les bateaux opéraient entre Lunga et l'île de Mozambique dans la province de Nampula au nord du pays quand il a chaviré, selon les témoins. Les opérations de sauvetage se sont poursuivies lundi, des personnes étant toujours portées disparues. Certaines personnes affectées de voyage pour assister à une foire, tandis que d'autres tentaient de fuir de Lunga vers l'île de Mozambique de peur d'être contaminés par le choléra qui a affecté cette région ces derniers jours, a rapporté TV Dario Nampula. D'autres reportages ont été cités. Jem Neto, le secrétaire d'État de la province de Nampula, qui a déclaré que la désinformation au sujet d'une épidémie de choléra présumée a provoqué la panique et a embarqué sur le bateau qui sert habituellement de bateau de pêche pour tenter de fuir. Ces derniers mois, le Mozambique et les pays voisins d'Afrique australe, le Zimbabwe et le Malawi ont été touchés par une épidémie de choléra mortelle que les autorités s'efforcent de contenir. De nombreuses régions du Mozambique ne sont accessibles que par bateau, souvent surchargé. Le pays a un réseau routier médiocre
médiocre et certaines zones sont inaccessibles par voie terrestre ou aérienne. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a dirigé une cérémonie de commémoration solennelle à Kigali à l'occasion du 30e anniversaire du génocide rwandais. Plusieurs dirigeants étrangers, dont les chefs d'État sud-africains, congolais, centrafricains et tanzaniens, ont assisté au rassemblement en mémoire du massacre. Suivez. Le président israélien Isaac Herzog était également présent à l'événement. Le président Kagame a allumé une flamme de souvenir et déposé une couronne sur le site de mémorial du génocide qui abrite les dépouilles de 250 000 victimes. Les massacres ont été déclenchés lorsqu'un avion transportant le président de l'époque, Juvenal Abiy Harimana, un Hutu, a été abattu au-dessus de Kigali. Les Tutsis qui ont été accusés d'avoir abattu l'avion et tué le président ont ensuite été pris pour cible par les Hutus extrémistes dans le massacre qui ont duré plus de 100 jours en 1994. Certains Hutus modérés qui tentaient de protéger les membres de la minorité Tutsi ont également été tués. Les Rwandais commémorent les 30 ans de génocide au cours duquel environ 800 000 personnes ont été tuées par des extrémistes soutenus par le gouvernement, brisant le petit pays d'Afrique de l'Est qui continue à se débattre avec l'horrible héritage des massacres. De nouvelles accusations pèsent sur l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele. Suivi. Les nouvelles accusations déposées le 3 avril par le procureur de l'EFCC, Rotimi Oyedepo, un senior advocate of Nigeria, portent aussi sur la réception de pots de vin, l'acceptation de cadeaux par le biais d'intermédiaires, la participation à des pratiques de corruption, l'obtention frauduleuse de biens et l'octroi d'avantages induits à ses associés, selon des documents judiciaires. Le rapport a ajouté que M. Emefiele serait mis en accusation devant Rahman Oshodi, un juge de la haute cour de Lagos, Ikeja, le lundi 8 avril. Le gouverneur suspendu de la Banque centrale du Nigeria a comparu devant le tribunal mardi dans le centre économique de Lagos pour possession illégale d'une arme à feu et de balles réelles. Il s'agissait de sa première apparition publique depuis le 10 juin, date à laquelle il a été arrêté par la police secrète du Nigeria. Le juge Nicolas Owebo, président de la Haute Cour fédérale de Lagos, lui a alors accordé la liberté sous caution, malgré les objections du bureau du procureur général. L'affaire a été ajournée jusqu'en novembre et le début du procès d'Emefiele. Un haut commandant militaire iranien a renouvelé samedi la promesse de l'Iran de riposter après qu'une frappe aérienne largement imputée à Israël a détruit le consulat d'Iran en Syrie. Suivez. L'attaque a causé la mort à 12 personnes, dont deux généraux d'élite iraniens. Le général Mohammad Bagheri, chef d'état-major interarmé de l'Iran, s'est exprimé au cours des funérailles du général Mohammad Reza Zahdi, le plus haut général gradé lors de l'attaque de lundi. L'attaque d'un complexe diplomatique iranien est intervenue dans le contexte de la guerre de 6 mois entre Israël et le Hamas à Gaza. Elle a constitué une escalade significative dans ce qui est depuis longtemps une guerre de l'ombre entre les deux ennemis et Israël s'est préparé à une réponse iranienne. Les tensions ravivées, les craintes d'une aggravation du conflit régional, le groupe militaire islamiste Hamas qui dirige la bande de Gaza depuis 17 ans est l'un des mandataires de l'Iran, au même titre que la milice libanaise Hezbollah et les rebelles Houthis du Yémen. Peter Pellegrini est devenu samedi soir le 6e président slovaque depuis la scission de la Tchécoslovaquie. C'est un allié du premier ministre populiste Robert Fico. Les images. Les sondages les donnaient au coude à coude, mais c'est finalement Peter Pellegrini, le candidat de la coalition gouvernementale de premier ministre
populiste Robert Fico qui l'a emporté plus facilement que prévu avec 53,85% de voix. Peter Pellegrini a été élu samedi soir président de la République slovaque. Le nouvel homme fort du pays a abattu Ivan Korkok, 46,14%, un diplomate de carrière pro-occidentale, pour succéder à Zuzana Kaputova, la première femme chef d'État du pays qui n'a pas souhaité se représenter. Voilà, aimables téléspectateurs, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur IBM Soul TV, la chaîne panafricaine.